Bon, ben bonjour à tous. On va faire aujourd'hui une Devo style Dry Fly, pardon. C'est trois plumes. Vous allez voir au montage. La queue est faite avec en plume coque Pardo. Voilà, c'est sympa. Ça ressemble un peu à la peute. C'est une mouche sèche. En réalité, moi je l'utilise donc pour la pêche, effectivement, au lancer mouche, mais aussi en tankara. Au tankara, c'est une canne télescopique extrêmement légère, dans les 70-80 grammes. Elle fait 3,30 m. On n'a qu'une tresse avec une pointe au bout. La canne faisant 3,30 m, on met à peu près 70, ça fait 4 mètres à peu près avec le fil. On lance à peu près à 8-9 mètres. Le geste est toujours le même, midi-10 heures. Et en réalité, il n'y a pas de moulinet. Donc le but, c'est de ramener à l'épaule la canne, d'attraper la soie et de remonter effectivement le poisson. C'est une sensation très forte. Je conseille pour les petites rivières, parce qu'ici en Bretagne, c'est le cas. C'est vraiment formidable. La sensation est extraordinaire. Et je pêche avec celle-ci aussi bien la truite que le chevesne. Très très friand de cette mouche. Pour ceux qui pêchent le chevesne, n'hésitez pas à la monter en plusieurs modèles. C'est très sympa à faire. Là, je vais monter en M112. Vous allez voir le montage. Allez, on va démarrer. Et lui m'a donné la combine, effectivement. Tu laisses les ordillons au montage. Au bord de l'eau, tu les écrases avec une pince. Comme ça te permet de savoir lesquels que tu t'es servi ou pas. C'est un bon repère. Je vais utiliser fil olive 8-0. Je vais commencer par l'enroulement, mais je vais aussi commencer par attacher les plumes au début. Allez, c'est parti. Je vais prendre une plume de coque, coup de coque, beige avec des effets un peu noirs, c'est bien. Pour la première, choisir la bonne plume. C'est parti. On va les border un peu. Je vais la fixer dans ce sens-là. Je la positionne, quelques enroulements. J'ai un support de fil qui est assez raide, très serré. Je coupe le rachis. Pince. C'est là qu'on a des surprises, c'est toujours délicat. Je mets que les fibres soient dans ce sens-là. Je m'en doutais. Suffisant pour le départ. On coupe excédent. Je vais en couper encore un peu derrière. Les fibres qui dépassent. Je pousse sur l'avant. Regardez la position surtout des doigts pour rattraper le support fil avec les deux doigts majeurs. Annulaire. Quelques enroulements pour tenir en avant. Alors, c'est vrai que la plume de coup de coque est assez rigide comme fibre. Quand je fais une peute, j'utilise plutôt plume de perdrix. Les fibres sont plus épaisses.
et ça a un autre effet. Mais c'est la première en tête. Je coupe parce qu'il dépasse. Allez, on accélère un peu. Allez, je consolide. Je vais prendre une plume verte. Coup de coque verte. Plume également là. Allez, on les barde. On va fixer pareil. On coupe l'excédent et pince à racle. On coupe l'excédent. Observez surtout, retenir votre support de fil. Voilà, ça commence à prendre un peu forme sur l'avant. Allez, troisième. On va prendre plumage grose. Jolie plume. Je vais choisir une qui soit la bonne taille. Si cela est bien. Enroulement, on serre et on coupe. Faut pas vieillir hein, parce que quand on vieillit, on tremble. Allez, on ramène sur l'avant. Mais ça n'empêche pas de faire. Hein. Forme que je voulais. Maintenant, je vais prendre le coq pardo. Ah, je vais le mettre de côté. Alors, hop là. Pardon. Si vous avez gris, hein, c'est pareil. Hein. Quelques racles.
pince avec les doigts, on tire. Et voilà. On enroule avec ses doigts après. On respecte la dimension. Pas peine d'être trop long. En arrière de la courbe de la rampe, on passe un tour en dessous, ça redresse un peu. Voilà les hacks, c'est bon. On coupe l'excédent ici. Voilà. Et on fait quelques enroulements pour donner la forme de votre body. Le remplir un peu, lui donner une forme agréable. C'est les reprenements de l'insecte. Et on va utiliser un kill. Je vais prendre kill de pan. Je le fais moi-même. Alors, je vous conseille de prendre sur le haut là. Ceci, voilà, tac. On coupe ça. Et ensuite, avec les ongles, on y va. Tout ce qui est fibre couleur là, qui se hérisse pour un kill propre. Voilà. Vivement l'ouverture de la pêche. Je fais beaucoup moins de montage que sans pause de pêche. Et oui, on profite. Si on n'est pas confiné, je souhaite vraiment que ça ne recommence pas. L'année dernière, on a fait le jour de l'ouverture, le lendemain, pof, confiné. Il est temps que ça change. Carte de pêche, on se demande. Hein. On la prend ou on ne la prend pas? Ah, si, il faut bien contribuer quand même. Entretien des rivières. Voilà. Maintenant, je vais prendre la pince à hacle simple. Je vais tenir au bout. Hop, passer le doigt avec. Et maintenant, des enroulements. Donc, je vais me débarrasser de ça. Je vais bien me mettre sur le côté. Sur mon petit support. Très fin, faut pas tirer, faut enrouler mais pas tirer. Si vous avez un kill un petit peu plus large, c'est pas plus mal non plus, oui, parce que pas trop facile de se faire ça au début. Pour éviter de vous énerver, quoi. Parce qu'il faut pas s'énerver avec ça. Voilà. On va couper ça sans couper le fil. Et ben c'est fait. Et quelques petits enroulements ici, c'est pas grave. Maintenant on fait son nœud. On prend de la longueur, on tourne
on met en travers. Alors, ce que je conseille en général, c'est de prendre, de sceller avec ça, avec le whitefish pour serrer son nœud. Vous maintenez, vous passez le crochet du whitefish, vous tirez, ça vous êtes sûr que vous êtes toujours au bon endroit. De toute façon, on va mettre ce qu'il faut. Fry finish, une petite goutte, pas trop non plus, j'aime pas quand c'est trop épais. On enlève le surplus, hein, n'hésitez pas. Si vous voyez que ça fait une épaisseur, c'est pas la peine. C'est juste pour donner du brillant au corps. Ça donne du plus de relief, disons, au keel. L'empuvée. Pour donner un peu, démêler un peu les fibres entre elles. Voilà. À vos étaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez toujours être au courant des nouvelles vidéos. Et un petit like sur le pouce bleu si vous aimez. Puis les commentaires. J'ai eu des commentaires. C'est sympa de me dire ce que vous ressentez, les défauts qu'il y a. Eh bien, vous en faites part. C'est bien. Allez.